Au cours de l'ESC 2024, il y a trois communications qui m'ont particulièrement marqué en tant que jeune cardiologue. Ces trois communications françaises. Premièrement, l'étude ABYSS et ensuite les études TRIFR et RAIA. L'étude ABYSS est une étude qui est randomisée, contrôlée, qui a été réalisée en ouvert et qui a comparé une stratégie d'interruption du traitement bêta-bloquant après infarctus du myocarde non compliqué avec une FEVG d'au moins 40% contre une stratégie de poursuite de ce traitement bêta-bloquant. Et cette étude n'a pas pu démontrer la non-infériorité de la stratégie d'interruption en comparaison avec la stratégie de poursuite du traitement bêta-bloquant. Il n'y a pas eu non plus de différence sur la qualité de vie des patients. La deuxième étude est également une étude française, l'étude TRIFR, qui a comparé le traitement percutané de réparation bord à bord de la valve tricuspide dans le cas d'une insuffisance tricuspide secondaire sévère en association au traitement médical optimal en comparaison avec ce traitement médical seul. Et cette étude a démontré les bénéfices de la stratégie interventionnelle sur les hospitalisations et sur la qualité de vie des patients. Et enfin, l'étude REIA, une troisième étude française encore une fois, qui cette fois-ci s'est intéressée aux patientes de sexe féminin exclusivement, avec un rétrécissement aortique sévère, quel que soit leur risque chirurgical, et qui a comparé le TAVI, le traitement percutané, avec la chirurgie, le remplacement valvulaire aortique chirurgical. Et cette étude a démontré la supériorité du TAVI dans cette population en comparaison avec la chirurgie sur des critères cliniques à un an de suivi. Donc ces trois études m'ont particulièrement marqué en tant que jeune cardiologue encore une fois parce qu'elles ont démontré qu'on peut faire de la recherche clinique de très haut niveau en France avec des questions qui sont connectées à notre pratique clinique quotidienne et qui répondent à des interrogations qu'on se pose souvent dans nos pratiques.